licencié en sciences administratives. Il est affecté également à la DCPJ. Le quatrième lauréat répond au nom d'Alexis Kretchin. Il est originaire de Chérigny. Il a une maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine. Il travaillait également à la DCPJ. Le cinquième lauréat. Le cinquième lauréat répond au nom de mon plaisir des Nord. Il est issu de la 19e promotion de la police nationale d'Haïti. Il est juriste de formation. Il vient également de la DCPJ, particulièrement du bureau des affaires criminelles PAC. Le septième lauréat répond au nom de Morancy Dorville. Il est originaire de Plaisance du Nord. Il est issu de la 8e promotion de la PNH. Il est juriste de formation. Il travaille à la SDPJ du département de police et je vous demande de les applaudir. Nous demandons à la 7e cohorte, ils se sont déjà levés. Nous présentons maintenant, mesdames et messieurs, à vous tous ici présents, et les autres membres du haut commandement, monsieur le directeur AI de l'Académie de police, monsieur le directeur de l'École nationale de police, madame, monsieur les professeurs, instructeurs, membres du personnel de l'Académie de l'École de police, mesdames, messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains et de la société civile, mesdames, messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs les membres de la 7e cohorte, mesdames, messieurs les policiers de la 32e promotion, le personnel administratif de la police nationale d'Haïti, distingués invités, madame, monsieur. Aujourd'hui, je suis heureux d'être avec vous ce matin en qualité de commandant en chef de la police nationale d'Haïti pour saluer votre présence à la cérémonie spéciale consacrant l'arrivée de 94 commissaires pour renforcer le commandement de 715 policiers dans les rangs de la police nationale d'Haïti. Sur ce parcours de combattants, 3 élèves commissaires et 35 aspirants policiers ne sont pas arrivés à destination. Mais vous, vous avez fait preuve de détermination, comme en témoigne votre présence ici, comme vous expliquez. Je vous en félicite et je vous encourage à cultiver et à faire croître cet esprit de sacrifice, de discipline, de courage et à marquer votre cheminement dans la formation. Car l'heure n'est point à la jouissance,
mais au contraire au sacrifice. Et vous en aurez besoin pour faire face aux multiples défis actuels. On ne peut pas oublier dans la réalisation d'aujourd'hui la détermination, le courage, l'effort et l'esprit de sacrifice des gestionnaires, professeurs, instructeurs, encadreurs, personnel administratif de tout rang, nos partenaires nationaux et internationaux engagés dans le développement et la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. Bref, pour l'amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population haïtienne. Merci grandement pour votre contribution à la cause sécuritaire de notre pays. En cette circonstance spéciale, permettez-moi de saluer la mémoire de l'inspecteur général Arlington Rico, qui devrait être là parmi nous ce matin, après avoir livré une bataille ardue pour mettre à la disposition de la PNH des cadres supérieurs bien formés aux principes de management, de sécurité publique, de pensée stratégique et dont le départ impromptu nous empêche ce matin de bénéficier de sa radieuse présence physique. Bien qu'il laisse sa marque indélébile à travers chacun de ses commissaires fraîchement diplômés. À propos, nous ne pouvons non plus oublier l'élève commissaire Rosely Cephas, qui n'a pas pu achever la course en raison de son décès en date du 1er décembre 2022. Et Madame Mona Champagne, membre du personnel administratif de la RNP, décédée le 17 décembre dernier. Aujourd'hui, nous voulons honorer leur présence et celle de tous nos policiers et policières suivis. Ensuite, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur appui indéfectible, ont rendu possible l'événement du jour. De manière plus précise, les remerciements de l'institution policière vont à Son Excellence Dr. Ariel Henry et les membres de son gouvernement, spécialement la ministre de la Justice et des Finances, et aux partenaires internationaux de la police nationale d'Haïti, en particulier les États-Unis d'Amérique à travers la NL, le Canada à travers le projet PAMIF, la France à travers son unité d'élite REC, le Chili, le Mexique, le Taïwan, Corée du Sud et le Bénin à travers le fonds commun. Nos remerciements spéciaux aux parents et aux familles des commissaires et de ces nouveaux policiers pour les sacrifices consentis au cours de cette période. En effet, la construction de l'édifice sécuritaire national demande la participation de tous, l'appui de tous les secteurs de la vie nationale. C'est pourquoi, tout en remerciant les membres de la société civile, des organisations de défense des droits humains, de la presse et autres, je leur demande de continuer à encadrer le processus de renforcement des capacités et de professionnalisation de la police nationale, en apportant un soutien manifeste à ces commissaires et policiers qu'ils auront bientôt à accueillir dans leur communauté. Accompagnez-les dans leur service à la population. De la 32e position qui va nous faire quelques démonstrations. Suivez la forte position des différents mouvements et l'agilité avec laquelle ils exécutent leur mouvement. Maintenant, nous sommes à volte-face par rangée. Les rangées qui se détachent.
Suivez. Suivez la discipline avec laquelle il exécute le mouvement. L'ordre serré, c'est une discipline importante pour les corps de police et militaire, puisque avec l'ordre serré, nous arrivons à être plus. Et maintenant, vous allez voir ce qu'il vous fait. Ploto, identifiez-vous. Marche. Voilà, c'est les places pour l'identification. Pour former les premières lettres de l'institution qui les a formées, à savoir l'École nationale de police. L'École nationale de police. Le salut de la haine pour les hauts dignitaires. Et le peloton qui va se reconstituer. Il faut saluer le savoir-faire de ce nord et ce homme qui se passe de présentation dans la préparation de nos promotions. Il s'agit bien du commissaire Léon. Souhaite une carrière fructueuse au sein de la police nationale d'Haïti. En ces temps de fête, j'adresse à toutes les policières et à tous les policiers, ainsi qu'à leurs familles, des vœux de bonheur, de santé, de paix pour l'année 2023. Je vous remercie.